Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire. Évangéliste, pouvez-vous nous expliquer l'origine du mal, d'où tient-il sa force et comment il a été créé? Parce qu'on sait que toute chose dans l'existence a son commencement. Bon, on dit que Dieu est bonté, mais Dieu a déjà tué même ses propres enfants d'Israël. On dit que Dieu est bonté, mais Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Cette instance de destruction, vous croyez ça vient d'où? On voit le Christ, il est parfait, il est bonté, il est amour. Mais si il provient de Dieu, on l'appelle le Fils de Dieu. Ça veut dire que la part de colère, la coupe de colère dont on parle, ça veut dire qu'il y a aussi une engeance qui est sortie, qui provient de ça. Cette engeance, c'est ce qu'on appelle le mal, de son vrai nom, Nadaya. Bon, Nadaya, ça n'a rien à voir avec quelque chose de maléfique. On dit, en traduction littéraire des anges, signifie le préféré, le fils aimé, c'est tout. Et c'est lui, dans la vie passée, dans l'histoire des anges que je vous parlerai dans un autre chapitre, a vécu jusqu'à pécher et à devenir ce que nous connaissons maintenant et qu'on appelle le mal. Donc, par là, vous nous dites que le Christ a quelque sorte, bon, une sorte de frère, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, si le Christ est la lumière parfaite, c'est l'autre côté et l'obscurité parfaite. C'est ça que vous nous dites. Et vous avez donné son nom, c'est Nadaya. Et vous avez parlé d'un point là qui est trop crucial, même si on ne va pas trop marteler sur ça. Vous avez parlé de la vie passée des anges. Bon, pouvez-vous nous donner un petit aperçu pour qu'on comprenne un peu comment c'était? Bon, pour vous donner une petite aperçu, on dit au commencement Dieu créa. Ce commencement n'est pas le commencement des anges. Quand tu regardes dans la littération des créations, on ne parle pas de la création des anges. Mais on voit plus tard que les anges ont débarqué. Et quand tu regardes entre Ésaïe ou bien Ézéchias, on dit que les anges ont été créés par milliers. Ils ne sont pas de votre éternité. Quand on parle d'éternité, c'est la création jusqu'à la fin du monde. Ça, ça fait une éternité. Et cette éternité-là, on n'est pas la première à le vivre. Les anges en ont eu le leur, les esprits en ont eu le leur. Quand je parlais du Saint-Esprit, on a fait un petit bref aperçu de ce qu'a été l'éternité des esprits. Mais les anges aussi ont eu leur éternité. Et dans cette éternité-là, il y avait deux frères. Et le frère qui a réussi est celui qui est maintenant qu'on appelle le Christ. Celui qui nous dirige, celui qui est le co-créateur de ce qui est maintenant. Mais malheureusement, il y a un qui a échoué. Et celui qui a échoué est là pour empêcher que toute chose que son frère fait ne puisse pas réussir. Donc si les enfants de Dieu vont retenir quelque chose aujourd'hui, ils vont comprendre que le Christ a un frère, et ce frère s'appelle Nadaya. Lui qui avait échoué dans leur éternité, et maintenant notre éternité, il est devenu celui qui réincarne les mâles absolus. Et si je comprends bien, c'est même lui qui avait influencé Lucifer dans sa quête périple. Déjà.